gros problème avec les cons, c'est bien que chaque jour, quoi qu'on dise, ils prennent pour eux à croire qu'ils aiment les sacs de nœuds. Les cons sont susceptibles. Même quand à la télévision, un ministre nous traite de cons, croyez-vous qu'ils réagiraient? J'étais sûr qu'ils applaudiraient. Les cons sont prévisibles. Car c'est l'UMP de la semaine, Sarkozy le catéchumène. Chaque fois que je l'entends parler, ça me fait penser au cassoulet. Les cons sont si audibles. Jeune et con, habituellement, y a un qui change avec le temps, mais par la volonté des dieux, lui, il n'a pas de chance, il est déjà vieux. Les cons sont peu flexibles. Les clones du président, les membres du gouvernement, pour lui ils sont prêts à sauter pour le bon plaisir de sa majesté. Les cons sont des fusibles. On le voit bien pour Matignon, l'endroit rêvé pour prendre l'aignon, que le premier ministre gouverne, ça remettrait à la mode Jules Verne. Les cons sont indicibles. Avec tout ce qu'il fait pour la France depuis qu'il a la présidence, faut être pauvre ou mauvais français pour gueuler qu'il a mal bossé. Les cons sont impossibles. Il a protégé notre argent, même au péril de votre vie. Il est en or ce président, vive Neuilly la Sarkozy. Les cons sont transmissibles. Carla a du souci à se faire, car la marine est là, peu chère. Une jolie brune pour l'oreiller, une blonde pour aller voter. Les cons sont éligibles. Pas la peine de programme commun, puisque déjà sur bien des points, c'est évident que Sarkozy lorgne sur la prunelle de l'œil du borgne. Les cons sont si visibles. On verra bien en 2012 si c'est la guerre ou la partouze. Mais sans ces voix-là, c'est foutu, c'est sûr, Nicolas sera battu. Les cons sont disponibles. Maintenant, c'est fini les conneries, faudrait que cesse la plaisanterie. Que la gauche retrousse ses manches, que reviennent les beaux dimanches. Les cons sont si horribles. Les faillots de Sarkozy, j'en ai marre de les voir ici. Je veux les digérer une bonne fois pour ensuite en péter de joie. Les cons sont peu digestes. Ça changera de la vache enragée, même si on a que ça à manger. Vous me réserverez des roustons, y en a pas? Ah bah ça c'est con. Oui con, c'est manifeste.